Paul Pogba absent du mondial, il fait une déclaration à sa femme pour son anniversaire. Un seul être vous manque dans l'entrejeu, et tout est dépeuplé. Si l'équipe de France possède quelques arguments pour défendre son titre de champion du monde au Qatar, et notamment son trident en attaque, Mbappé, Benzema, Griezmann, son milieu de terrain pâtira de l'absence de Paul Pogba. Pas totalement remis d'une blessure à la cuisse, le joueur de la Juventus Turin a dû annoncer la mort dans l'âme, son forfait pour la compétition. Ce qui n'a pas empêché le taulier du vestiaire tricolore d'encourager ses coéquipiers, qu'il regardera depuis son canapé. « Dieu avait un autre plan pour moi. Je soutiendrai mon équipe. Ma nation, mon pays de loin, mais mon cœur est avec eux. Bonne chance à tous les joueurs sélectionnés. » A-t-il fait part sur les réseaux. Ce break malvenu sera l'occasion pour la pioche de retrouver sa condition physique et de soigner sa tête. Plus vraiment tourné vers le ballon rond à cause d'une lourde affaire familiale. Pour cela, il pourra compter sur la présence de sa femme, Maria Zula Salo, et de ses garçons Shakur et Keyan Zahai, jamais bien loin. La jeune mannequin bolivienne a toujours aidé son époux de footballeur dans les moments troubles. Comme l'a révélé le documentaire de Pogba Mentari, le Bianconero a voulu rendre honneur à sa belle en lui déclarant sa flamme sur Instagram pour son 29e anniversaire. Ce mardi 15 novembre, pour accompagner une série de superbes clichés de sa belle, il a choisi de porter sa plume dans l'humour. Kéan Z. Joyeux anniversaire ma grosse. Ma petite folle. Ça y est, tu deviens une petite vieille, l'a-t-il chambré gentiment. Preuve que l'ambiance de vestiaire manque énormément aux convalescents.